Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo incroyable parce que oui, nous allons, comme vous avez vu dans le titre, tenter de voler le marteau de Thor. Le marteau de Thor, bah ouais, j'ai envie de dire le marteau de Thor. Alors je vous garantis rien, sachez que tout le monde, je sais pas pourquoi tout le monde est chez Iron Man, hein. Bon apparemment il y a du monde chez lui. Et il y aurait Thor, donc d'après ma secrétaire, encore une fois, hein, vous savez j'ai une secrétaire qui me donne toujours des informations. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, bah vous voulez que je vole quel objet de quel super-héros, je sais pas moi, le bouclier de Captain America, le point de Thanos, ce que vous voulez dans les commentaires, vous me dites ce que vous voulez que je vole pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, activez la cloche et c'est parti pour aller voler du coup le marteau de Thor. Let's go. Ok, donc cette fois-ci les gars, on a changé un peu de tenue. Donc ma secrétaire a donné un rendez-vous dans la maison de Iron Man. En gros, moi je suis tout simplement un vendeur de voitures de luxe. Et aujourd'hui je vais leur montrer, je vais leur essayer de leur vendre hein, cette Lamborghini. On va faire tout ça tout en essayant de voler le marteau de Thor, sachant qu'il y a Thor là-bas et tout. On va voir ce qui va se passer, on va voir comment ça se passe. En tout cas j'ai vraiment très 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 peur. Voilà, honnêtement, là, moi personnellement, mon niveau de peur est élevé. Sachant qu'il y a pas mal de super-héros là-bas. Je sais pas ce que ça donne, en tout cas, bon, cette Lamborghini, elle reste aussi magnifique, cette Lamborghini. Et du coup, écoutez, on va aller directement chez Iron Man, on va voir ce qui se passe. Et dans les commentaires, quel prochain super-héros, quel objet, dites-moi. Ok! On arrive à côté de chez Iron Man. Clairement, Iron Man, ça fait peur. Ça fait très peur. Donc, normalement, techniquement, ils sont censés savoir que je viens ici. Donc, normalement, ils ne m'attaquent pas. Après, j'ai peur, quoi. Moi, je vous garantis rien. Je vous ai dit, il y a tout le monde là-bas. On est... Oh, par contre, l'allée, elle est magnifique. Hein. Je kiffe cette allée d'Iron Man. Je sais pas dans les commentaires si vous... quelle maison vous avez préférée dans toutes les maisons que j'ai présentées des super-héros. En tout cas, celle d'Iron Man, elle est vraiment gigantesque. Ok. Faut qu'on soit vraiment très discret. On va se garer juste là. Regardez, on est bien chez lui. Stark Industry. Je vais me poser là, lui. Ok. Stark Industry. On est chez lui. Bonjour. Hello. Hello. Bon, par contre, je crois qu'il n'y a personne. Bonsoir. Bonsoir. Il y a quelqu'un? Je suis le vendeur de voitures, du coup. Oh. Oh, il y a quelqu'un là. Oh, y... me dites pas que c'est Hulk. Oh, il y a Hulk, les gars. Il y a Hulk. Ah ouais, Hulk, il regarde la télé, posé, au calme. Ouais, bon, par contre, son bras. Il y a Hulk qui est en train de regarder la télé. Ok. Bonjour, je... je suis le vendeur de voitures, je cherche Iron Man, du coup. Non. Bon, clairement, il s'en fout. Alors, il est posé, quoi. Je sais pas s'il dort, mais on va pas trop le déranger, parce que c'est Hulk, hein. Alors, il y a qui d'autre dans cette maison? En fait, il y a vraiment trop de monde. Ah, hey! Ah, ouais! Il se met bien! Spider-Man! Coquin! Spider-Man, je te pensais pas comme ça, hein! Le gars, il pêche chaud à chaque fois dans tous les films, il pêche une blonde, après il pêche chaud je sais plus qui là, dans le dernier. La... Ouais, d'ailleurs, elle est très belle, l'actrice, je me rappelle plus son nom, mais elle est magnifique. La blonde aussi, dans les premiers. Et il se met bien. Bon, je crois qu'il a pêché la daronne de la blonde là, pour le coup, du coup. Spider-Man, salut. Je cherche Iron Man, non, je crois qu'il est pas là. Oh, il s'est énervé là. What the fuck? Il s'est arrêté d'un coup. Non, c'est bon, je te laisse tranquille. Je voulais rien faire. Alors, par contre, qui on a d'autre ici, les gars? Il y a qui d'autre? Bon, rappelez-vous, ici, on a les tenues de Thor et tout. On a la douche ici. Ok, les gars, là, on est dans le garage. Magnifique, toutes les tenues d'Iron Man. C'est trop. C'est vraiment beaucoup trop ici. Là, personnellement, je sais pas ce que je ferai, mais moi, j'ai peur. Voilà, je vous dis, j'ai peur. J'ai peur qu'il me fasse du mal. Il y a trop de monde. Je peux pas. Ok, il y a des gens ici. D'accord, en fait, il y a beaucoup trop de monde. Il y a beaucoup trop de monde. Oh, pas mal. Il y a toutes ces tenues. Mais là, on est là pour voler le marteau de Thor. Mais Thor, je l'ai pas vu du tout. Je vais peut-être aller voir dans le jardin, tiens. Est-ce que Thor est dans le jardin? Thor, où es-tu? Thor, where are you? Thor, where are you, Thor? J'ai passé par là.
Est-ce que Thor est quelque part ici dans le jardin? Je sais pas moi. Thor? Oh shit! Ok. Ok les gars, il y a Thor. Il y a Thor, mais par contre, est-ce que... Parce que les autres, ils ont pas... Enfin, je veux dire, Spider-Man, on peut pas lui prendre ses pouvoirs, c'est un peu compliqué. Thor, est-ce que t'as ton marteau? On va regarder de loin, les gars. Oh oui! Les gars! Magnifique! Thor, il a son marteau. Thor a son marteau, les gars. Thor a son marteau. Par contre, c'est incroyable comment sa cape, elle bouge. Oh non, mais regardez, je vais zoomer, les gars. Je prends mon téléphone pour vous montrer. Il a son marteau juste à droite. Regardez la cape, comment elle bouge. C'est trop, trop magnifique. C'est trop bien fait. Alors, les gars, c'est parti pour voler le marteau de Thor. J'ai pris un point américain, les gars. Je vais essayer de l'assommer. Je prends des risques pour vous. Je vous le dis, je prends des risques pour vous. Est-ce que ça va marcher? Dans les commentaires. Faut pas que les autres nous crament. 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 Oh! Oh oui! Oh oui! Oh oui! My God, je viens d'assommer Thor. Regardez, je me mets en première personne. Thor. Oh, regardez ses yeux. Regardez les yeux de Thor, ils sont bleus. Les gars, je l'ai assommé. C'est-à-dire bleu, il est énervé ou pas? Oh my God. Je pense que les gars, on peut prendre sa tenue, on peut... Non, mais j'ai peur de le déshabiller. J'ai peur de le déshabiller. Je fais peur de le déshabiller. Bon, déjà, je vais tester. Est-ce qu'on peut... Utiliser le marteau. Oh! Shit, vous avez entendu? What? Il se passe quoi? Les gars? Oh my God! J'ai le marteau de Thor, les gars! C'est magnifique! Incroyable! Incroyable! Oh shit, j'ai pas tué Thor là quand même. J'ai tué Thor avec son marteau, je crois. Bon, bah je vais en profiter pour prendre sa tenue, les gars. Ok, attends. Bon, les gars, je sais pas si je prends sa tenue ou pas. Non, vous savez quoi, les gars, je prends même. Eh, ouais. Ah, ouais, le marteau, ça nous fait courir. Attends, normalement, avec Thor, on peut voler avec le marteau. Oh! Oh, je peux voler? What? What? Je peux voler, les gars? Franklin qui vole avec les pouvoirs de Thor! Ah ouais, c'est magnifique! Incroyable, les gars! Je suis Thor! I am Thor! Et vous savez quoi, les gars? Au bout d'un moment, moi je suis énervé, je vais rentrer dans la base militaire! Venez, tout le monde! J'ai pas peur de vous, moi, ok? Vous venez quand vous voulez! Ouh, 4 étoiles! Ok. J'ai pas peur, vas-y, venez! Pouah, ok. Les gars, par contre, j'ai des attaques spéciales. Ok, on va tester celle-ci. What the fuck? Le marteau de Thor est trop puissant, je kiffe! Dites-moi dans les commentaires quel prochain objet vous voulez que je vole. Ok, on a Tornado Storm. What the fuck? Magnifique! Voilà, là, 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 c'est trop. Oh, oh, les gars, le cargo Bob! Je veux le cargo! Le cargo! Ok. Bon, j'ai pas réussi à prendre le cargo, mais en tout cas, cette attaque est tout simplement incroyable. Ok, on a Bring Me Thanos, c'est quoi ça? What the fuck? What is this shit? C'est trop. Le marteau, je kiffe. Personnellement, le marteau de Thor est incroyable. On a God Blast, alors c'est quoi? Oh, je vais tester sur le. Oh là 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 là. Non mais c'est pouvoir s'il vous plaît. Ce marteau. Lightning String. Ok, ça c'est normal je crois. On va tester sur la gomme chat. Sur le temps. Ok, donc ça fait un spécial. Lightning Grim. Oh. Ah ouais, ça c'est pas mal du tout.
En fait, tu peux vraiment tout faire, c'est magnifique. Ok. Mais personnellement, la meilleure, c'est... Ok, on a Bifrost Strike, c'est quoi ça? Oh, waouh! Ah ouais! Ah ouais! Waouh! Ah ouais, tu te téléportes en fait! Non mais c'est incroyable, les gars. Est-ce que je peux me téléporter genre en l'air? Non, faut que je vise quelqu'un, je pense. Non, attendez, je vais voler. Ok. Et faut que je... Non, faut que je vole comme ça. Non, on peut pas en fait, faut être à terre. Oh my... Alors par contre... Ok. Cette technique est incroyable. Changing beam, c'est quoi ça? Ok. Et lightning show. Alors je crois que c'est la basique celle-là. Ouais, c'est la basique. Ok, et eh bien je crois qu'on a tout fait les gars. En tout cas ma préférée reste celle-ci. Oh là 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 là, regardez, regardez. Tout le monde crie. Celle-là elle est trop. Celle-là elle est beaucoup trop. What? Regardez son corps. Ah ouais les gars, je l'ai coupé en deux. Bon par contre je vais voler. Je vais tester de faire voler ça là, tiens. Je vais te faire voler le titan. Oh là 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 là, le titan qui est en train de voler. Vol, 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 petit titan, vol. What is this shit? Le titan qui est en train de voler. Si tu veux faire décoller un avion, les gars, t'as juste à prendre le marteau de Thor, en fait. C'est abusé. Alors, par contre, on a... Oh. On a un autre marteau. What? Ah ouais, ce marteau est pas mal aussi, hein. Ok, on a un marteau, on peut avoir les deux ou pas, les gars? En fait, ça change rien, en fait. C'est juste le marteau qui change. Ok. En fait, vous voyez, c'est tout ça, là. Il y a tout ça comme technique. En tout cas, franchement, je kiffe totalement. Mais bon, apparemment, en fait, quand on a le marteau de Thor, on a aussi... Du coup, les deux. Ah bah, quand t'as les deux, c'est cheaté aussi, hein. Quand t'as les deux, c'est vraiment cheaté. J'ai attaqué la base militaire. Je l'ai humilié en 2 secondes 5, les gars. En tout cas, hop, on va ranger ça. Et on va garder, du coup, le marteau de Thor. On va voler et partir de cette base militaire. C'était incroyablement magnifique. J'ai vraiment kiffé. Honnêtement, si c'était à refaire, je le fais. Voilà, je le referai. Tu viens ici, toi. Si c'était à refaire, je le referai. Magnifique, le marteau de Thor. En tout cas, c'était tout simplement incroyable. C'était, je vole le marteau de Thor. Dans les commentaires, un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche et dites-moi quelle prochaine super-héros vous voulez que je vole. Lequel, bah voilà, quel pouvoir, quel truc. Le Gantanos, je sais pas moi.